Le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé hier une des mesures qui sera dévoilée dans son budget à la mi-avril prochain pour aider notamment les locataires à devenir propriétaires, en faisant en sorte notamment que les paiements de loyer des dernières années puissent être pris en compte dans le calcul de la cote de crédit des locataires. Gabriel Camiré est avec nous, il est courtier hypothécaire chez Planiprêt. Bon après-midi à vous, Monsieur Camiré. Bonjour, Madame Marcoux. D'abord, comment ça se calcule, une cote de crédit? En fait, une cote de crédit est calculée par les agences de crédit comme Equifax et TransUnion qui vont venir chercher les données là, au niveau des prêteurs, comme les prêteurs de cartes de crédit, de prêts, de marge, mais aussi les compagnies de télécommunications. Et la façon de l'augmenter, évidemment, c'est de mieux se comporter financièrement et de payer ses comptes à temps. Évidemment. Donc, le but, c'est de rembourser ses prêts à temps, d'avoir une bonne hygiène financière et de limiter son niveau d'endettement. Donc, évidemment, ce que le gouvernement du Canada nous propose présentement, c'est d'utiliser le paiement des loyers pour venir rajouter de l'information à ces cotes de crédit-là. Mais ça va être intéressant de voir comment, logistiquement, on va être en mesure là, de venir comptabiliser ça au niveau des propriétaires. Donc, paiement des loyers, un peu comme on paie notre compte de carte de crédit, là, par exemple. Exactement. Bon. Ça viendrait changer quoi dans la cote de crédit? Vous semblez dire que, concrètement, ça va être difficile d'appliquer ça? Bien, ça va être difficile de l'appliquer et de comptabiliser au niveau de chacun des propriétaires, là, qui a payé et qui n'a pas payé. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, évidemment, bien, les Canadiens sont assez bons dans l'utilisation du crédit, soit avec les compagnies de télécommunications, les cartes de crédit. Donc, je vous dirais que ce n'est pas le problème principal présentement qu'on voit chez les premiers emprunteurs. C'est vraiment au niveau de la capacité d'emprunt et le prix de l'immobilier qu'on voit le plus gros des problèmes là, présentement. Bien, justement, c'est une bonne question que vous évoquez parce que, advenant le cas où quelqu'un a une bonne cote de crédit, il peut emprunter jusqu'à un montant X, évidemment, en fonction du salaire qu'il fait, là. Exactement. Alors, en mettant de l'avant cette mesure évoquée par M. Trudeau hier, il n'y a pas un risque de surendettement, encore une fois? Pas nécessairement. Donc, ce que le gouvernement Trudeau nous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'être en mesure de comptabiliser les loyers dans la cote de crédit, pas nécessairement dans les dettes qu'on va calculer lorsqu'on fait un prêt hypothécaire. Mm-hmm. Donc, ça ne va pas nécessairement venir nuire, mais ça ne viendra pas aider non plus, j'ai l'impression. Mais le problème des futurs propriétaires, des jeunes actuellement, M. Camiré, est-ce que c'est d'emprunter un montant d'argent ou c'est plutôt l'incapacité à payer les nouveaux condos, nouvelles résidences parce qu'elles sont trop chères actuellement? Bien, c'est un petit peu ça. C'est un mix entre peut-être les salaires qui n'ont pas suivi le marché immobilier. Mm-hmm. Donc, on a vu la valeur des immeubles qui a augmenté drastiquement. Les salaires n'ont pas nécessairement suivi. Donc, le problème principal qu'on voit chez les nouveaux acheteurs, c'est vraiment d'être en mesure de qualifier pour le prêt hypothécaire, pas nécessairement la cote de crédit. Mm-hmm. Évidemment, il y a certains cas où est-ce que la cote de crédit va avoir un impact négatif, mais je vous dirais que la majorité des premiers acheteurs, c'est vraiment au niveau de la capacité d'emprunt. Puis la pénurie de logements crée une hausse, crée une augmentation dans les prix de l'immobilier. Puis c'est vraiment là qu'on voit le plus gros des problèmes. Donc, il y a définitivement des mesures qu'on pourrait prendre à moyen long terme pour venir aider ça, puis encadrer ça, puis permettre aux premiers acheteurs là, d'accéder à la propriété. Mais comme quoi, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait aider les jeunes propriétaires, jeunes futurs propriétaires, en fait? Bien, je pense qu'au Canada, l'amortissement maximal est de 30 ans sur un prêt hypothécaire. Donc, évidemment, on pourrait assouplir ça. Il y a aussi des règles au niveau de la SCHL sur la mise de fonds minimum qu'on pourrait assouplir, qui pourrait aider les premiers acheteurs à acheter. Il faut faire attention avec ça parce que plus on assouplit ces mesures, plus ça crée une tension vers la hausse au niveau de l'immobilier. Mais tout ça, ce que ça cache, c'est vraiment un problème très, très profond au niveau du nombre de logements qui sont disponibles au Canada. Il y a une étude qui est sortie au niveau de la SCHL qui prévoit que d'ici 2030, il va manquer 3,5 millions de logements au Canada. C'est vraiment là qu'il y a un débalancement entre l'offre et la demande. Et puis, c'est vraiment ça qui cause là, justement cette difficulté d'accéder à la propriété pour les Canadiens. Gabriel Camiré qui est avec nous, très clair, très éclairant, courtier hypothécaire pour Planiprêt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.